Salut à toi investisseur, encore une petite vidéo. Cette fois, je voudrais te parler du marchand de biens, du financement. Comment est-ce que ça se passe? Je vois passer pas mal de choses, toujours pareil, sur les groupes Facebook, etc. Conseiller particulier, conseiller professionnel, on voit ça tout de suite. Alors déjà, première chose, la plupart des gens, quand ils parlent de financer des opérations de marchand de biens, ils font une grosse connerie, c'est d'aller voir leur conseiller bancaire, mais leur conseiller bancaire en agence, quoi, celui qui va s'occuper de votre livret A, de votre compte bancaire, de votre assurance vie. Alors c'est pas du tout ce conseiller-là qu'il faut voir. Là vous êtes face à un conseiller particulier qui va gérer le livret A, qui va gérer des mouvements bancaires. Celui que vous allez devoir consulter, c'est un conseiller professionnel. Le conseiller professionnel, il bosse pas du tout dans le même truc, c'est pas du tout le même métier. Lui, il va étudier des dossiers de promotion, des dossiers de lotissement, des dossiers de construction, des dossiers de marchand de biens, des dossiers de professionnels de l'immobilier toute la journée. Le métier n'est pas le même et vous les trouverez rarement, très très rarement en agence. Donc en général, comment les trouver? Moi, je l'ai trouvé par le réseau en fait. C'est un marchand avec qui je bossais en tant qu'investisseur, c'était un de mes fournisseurs. Je lui ai demandé comment ça se passait, c'est lui qui m'a donné son numéro de téléphone. Maintenant, toi, comment tu peux faire? J'ai envie de te dire déjà dans un premier temps, tu demandes à ton agence. Est-ce qu'ils ont une cellule promotion, une cellule de financement pour les marchands, une cellule pour les professionnels de l'immobilier en fait? Normalement, je sais qu'il y a au moins deux grosses banques qui ont ça dans leur dossier, qui ont ça dans leur structure, dans leur agence. Maintenant, on rentre pas comme ça en général. Ce que je veux dire, c'est que pour commencer à faire des opérations de marchands, il va falloir avoir de l'expérience. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Il va falloir avoir, au moins être investisseur immobilier, au moins avoir un peu de patrimoine. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai entendu parler de beaucoup d'histoires de personnes qui vendent leur boîte pour faire du marchand de biens. Et au final, quand elles arrivent devant le banquier, alors elles ont un compte en banque bien rempli, mais elles n'ont aucune expérience, elles n'y connaissent rien en immobilier, le marché, on n'en parle même pas, savent même pas comment fonctionne un agent. Les travaux connaissent que dalle, les artisans on n'en parle pas, enfin, ils partent de rien du tout, ils ont de l'argent, c'est très bien et c'est important, mais marchand de biens c'est une continuité, hein. C'est pas un truc où t'arrives, je vais être marchand de biens, non, 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 marchand de biens c'est une continuité, quand t'as été investisseur, ça peut le faire d'être du marchand, quand t'as eu une boîte de rénovation, ça peut le faire d'être du marchand parce qu'il y a un domaine que tu couvriras, mais si tu penses que arriver comme ça, et dire coucou, c'est moi, je veux faire du marchand, tu risques d'avoir quelques difficultés. Pour ce qui s'agit des conditions d'emprunt, alors les conditions d'emprunt, c'est très particulier. Le banquier va te demander 20% d'apport, donc ça c'est obligatoire, c'est ce que tu dois mettre, et 50% de pré-commercialisation. La pré-commercialisation, qu'est-ce que c'est? Si je prends l'exemple d'une opération de découpe sur un immeuble, la pré-commercialisation sur un immeuble, on va dire que en tant que marchand de biens, tu achètes au volume, tu achètes un volume de mètres carrés et tu achètes là, dans le type de l'opération, on va partir sur 10 lots. Le banquier va te demander 50% de pré-commercialisation. Ça veut dire, toi, tu vas signer ton compromis avec tes acquéreurs. Avant d'aller voir le banquier, il va falloir que tu aies déjà signé 5 compromis de vente. Il va falloir que tu aies 5 investisseurs qui t'achètent les lots. Enfin, pas que tes 5 investisseurs, il va falloir que tu aies vendu 5 lots. Ça peut être un seul investisseur, ça peut être 2, 3, 4, 5, mais il faut que tu aies vendu la moitié des lots avant d'aller voir le dossier. En fait, ça va te servir à constituer ton dossier. Donc c'est pour ça qu'en général, les marchands de biens communs, leur business model, en fait, c'est fondé sur la rapidité. Ce qu'ils veulent, c'est... Ils gagnent beaucoup d'argent, c'est clair, mais aussi ils prennent énormément de risques. Donc qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils achètent pas cher. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'au moment où ils achètent, ils veulent sécuriser l'opération. La meilleure manière de sécuriser l'opération, c'est de vendre à des tarifs qui sont attractifs. En gros, il faut être un super apporteur d'affaires pour les investisseurs. À titre d'exemple, les quelques marchands que je connaisse, en général, quand ils font des découpes ou quand ils font du volume, quand ils rentrent un volume qui ressortent à la découpe, en général, sous 2 semaines, ils ont pas signé les compromis, mais ils ont déjà les acquéreurs qui vont signer les compromis, donc ça va extrêmement vite, hein. Pour ce qui s'agit du financement du montant, les banquiers, comme c'est des professionnels,
Elles iront rarement en dessous de 100 000 euros à financer parce que c'est pas intéressant. Il faut savoir que tu as des frais bancaires, que la personne elle va sûrement y bosser une semaine dessus pour pouvoir étudier le marché, pour pouvoir voir les tenants et les aboutissants et examiner le risque. Et pour ce qui s'agit du montant maximum, il n'y a pas de montant maximum quoi. Je pense que dès le moment où l'opération est sécurisée, de toute manière ils vont sur des opérations de promotion, donc les opérations de promotion ça coûte extrêmement cher. Donc ça peut être des 5, 6, 10, 20 millions quoi. Hein. Donc pour ce qui s'agit des frais bancaires, alors en général les frais bancaires les marchands de biens financent pas trop parce qu'ils sont très bien conscients que dans le business il faut que tout le monde gagne sa vie. Le banquier comme tout le monde. Donc au niveau des frais, tu as ce qu'on appelle les commissions d'engagement. Les commissions d'engagement, c'est 1% du montant emprunté, 1% annuel. Donc si tu empruntes sur 6 mois, tu vas payer 0,5%. Si tu empruntes, si l'opération est soldée au bout de 2 ans, tu vas payer 2% lissé sur le montant que tu vas rembourser petit à petit en fait. Ensuite, tu vas avoir les intérêts. Donc ça a des intérêts trimestriels qui vont être indexés sur le Euribor. En général, Euribor plus 2,5-3%. Quand tu seras sur des grosses opérations, tu seras sur du 1,5. L'Euribor, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est de la finance. J'en sais foutrement rien, je te laisserai regarder sur Internet. Donc si je dois te faire un exemple chiffré, si on prend une opération à 500 000 euros, donc tes 20% d'apport sur 500 000, ça va être 100 000. Il va falloir que tu mettes 100 000 sur la table. Tu auras, je crois que c'est à peu près commission d'engagement, tu seras sur 1%, donc tu vas emprunter 400 000, donc ça va être 4 000 euros de frais d'engagement. Pour ce qui s'agit des intérêts trimestriels, là il faudra regarder le report, je ne les ai pas sous le nez. Et le but après, c'est de générer 100 000 de marge avant imposition. Alors 100 000 de marge, ce sera 100 000 de marge nette de tout et 100 000 de marge minimum. C'est-à-dire que c'est le prix au-dessous duquel tu descendras pas. Le prix auquel tu vas mettre en vente tes biens sera supérieur à ça, évidemment. Hein. Le but du marchand, c'est de toujours faire les 20 points en prenant le maximum de sécurité. Donc comme tu as vu, comme je viens de te l'expliquer, le marchand... Il joue énormément sur la rapidité. Quand tu es marchand, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit fluide pour prendre le moins de risques. Ce qui est intéressant de noter, c'est que effectivement, tu peux faire l'appel à la banque pour lever des fonds. Maintenant, les 20% d'apport, tu n'es pas obligé de les mettre toi-même. Tu peux faire ce qu'on appelle des tours de table. C'est quelque chose dont j'ai parlé déjà dans une petite vidéo précédente. En quoi consiste un tour de table? Tu réunis en général des investisseurs, des gens qui ont de l'argent, tu leur parles de ton projet. L'idéal toujours, c'est d'avoir signé tes 5 compromis, si on prend l'exemple d'avant, pour montrer que l'opération est viable et qu'elle est bonne. En général, si je reprends l'exemple des 500 000, donc toi tu vas faire emprunter les 20 points par tes investisseurs, ils vont te prêter les 100 000. En général, ça se finance entre 8 et 12 points. Évidemment, si tu arrives à faire financer... pas faire financer, mais si tu arrives à avoir les compromis avant d'aller les voir, tu seras plus aux alentours de 8-9. Donc ça, c'est une autre manière de faire travailler l'argent. Je connais quelques entrepreneurs, quelques investisseurs qui ont commencé le marchand en faisant comme ça, en servant de banque à d'autres marchands. Ça leur permet de mettre le nez dans l'opération, d'avoir le marchand au téléphone régulièrement pour se faire expliquer comment ça marche, etc. J'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur. S'il y a d'autres sujets dont tu voudrais que je parle ou que j'approfondisse, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Ça permettra de promouvoir l'algorithme YouTube. Paye ton petit like et ton petit abonnement si ça t'a plu aussi. Et puis voilà, je te dis à plus.